exposition, c'est un peu la même chose qui se passe. On appréhende les lieux, on se demande si l'exposition aura du succès. On cogite sur la façon de disposer les œuvres le plus harmonieusement possible. Je n'en suis plus à ma première exposition et pourtant c'est comme si j'exposais pour la première fois. Ce n'est pas vraiment le trac, c'est plutôt une sorte de sentiment d'insécurité face à un public que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. C'était un peu comme un premier rendez-vous amoureux, une sorte de blind date. Là, je vais exposer dans une galerie que je ne connais pas, dans une région du Québec que je ne connais pas non plus. L'exposition n'est pas encore débutée que j'ai déjà 2 articles dans le journal. L'exposition est annoncée. Tout a été mis en œuvre par les gens de la galerie Horizon de Sorel-Tracy pour vanter mon expo au bord de l'eau. Une exposition solo qui a commencé le 8 mai et qui se terminera le 1er juin. Pour un petit gars comme moi, c'est gros. Et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir au rôle qu'occupe l'artiste dans cette société de consommation. On connaît la valeur des choses qu'on achète. On connaît la valeur d'une voiture, d'une maison, d'une piscine. Mais pour monsieur et madame tout le monde, il est difficile de reconnaître la vraie valeur d'une peinture ou d'une sculpture. Certains voient l'art en général comme un produit de luxe. Et quelque part c'est vrai, mais c'est aussi ce qui détermine la vraie richesse d'une société. La peinture, tout comme la sculpture d'ailleurs, c'est plus qu'un produit, c'est une partie d'âme. C'est ce que l'artiste a exprimé avec ses tripes, dans un langage de sentiments et d'émotions qu'il a façonné selon son ressenti. C'est parfois le seul moyen que l'artiste a pour faire passer un message ou pour mettre le doigt sur les problèmes de la société dans laquelle il vit. C'est aussi parfois l'évasion. Pour moi en tout cas, c'est une évasion. Une vision d'un monde idéal, une tentative de donner une définition au mot « liberté ».